Bonjour, bonjour, bienvenue à tous à nouveau pour un nouvel épisode à propos d'Oak Island. Euh, J'ai pas posté de vidéo en français depuis quelques semaines, vous avez pu le voir, et si vous suivez la chaîne, vous avez vu que j'en avais posté quelques-unes en anglais. Et c'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Euh, J'avais pas prévu de faire cette vidéo-ci, si, j'en avais prévu une autre qui a été scriptée déjà, et il y a une dizaine de jours... Euh Quelqu'un qui s'appelle Gary, de, qui est aussi un, un subscriber des, de la chaîne de Michael en anglais et de la mienne, quand je l'ai fait en anglais, qui est britannique lui-même, nous a filé un tuyau, ou une idée qu'il avait, on l'a travaillé, et on n'est pas, en, pas encore remis, Michael et moi, de ce qu'on a découvert. Donc euh, là, ça va envoyer du lourd. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de traiter toutes les slides dans une vidéo, sinon ça va faire 4 heures de vidéo. Si je me rends compte que c'est trop long, je ferai deux parties, donc excusez-moi à l'avance, je ne sais pas combien de temps je vais mettre. Mais je vous promets que vous allez apprécier si vous avez apprécié les autres vidéos. À ce sujet, si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, je vous recommande très fortement de regarder la playlist de la chaîne. Euh, Celle-ci a une section des vidéos en français une section des vidéos en anglais. Et il, est, et il est crucial, si vous vous intéressez à tout sujet, que vous suiviez les vidéos en français dans l'ordre. Euh, sinon, vous n'allez rien comprendre à l'histoire, mes pauvres. Voilà, donc merci, merci de passer un peu de temps avec moi ce soir. Et puis, on est parti euh, sur cette vidéo qui s'appelle Le Graal de Rochefoucauld est 100% connecté à Oak Island. Une petite précision, toutes les photos et les miniatures que je vais vous montrer appartiennent en copyright au Lancelot Grail Project et sont utilisées avec l'autorisation du professeur Addison Stone. Alors cette vidéo en français que je fais là correspond à trois vidéos en anglais qui ont été euh, réalisées euh, dans, les, dans les dernières semaines, plus une vidéo en anglais de Michael sur sa propre chaîne. Et, et, et j'ai évidemment demandé l'autorisation euh, et c'est sans problème qu'il m'a dit oui. Allez, on est parti pour un, pour un sacré... Euh, je vous promets un sacré sacré voyage. C'est parti. Donc ça, je ne l'avais jamais mis avant dans une vidéo en français. Toutes les photographies des miniatures appartiennent au projet Lancelot Grail que je vous avais présenté succinctement. C'est une page web. On va la réutiliser aujourd'hui. Et sont utilisées avec l'autorisation du professeur Alison Stone. Alors, qui est Alison Stone Alison Stone, quand on va en fait sur le site du Lancelot Grail Project que j'ai mis à droite... Euh, on trouve dans les participants de ce projet euh, des universitaires, euh, beaucoup d'universitaires euh, nord-américains qui sont spécialisés dans l'histoire française ou la langue française ou autre, et dont une certaine Alison Stone. Si on clique sur ce nom, on trouve une succincte présentation d'Alison Stone et euh, son adresse email, qui est une adresse un peu générique à Hotmail. Donc voilà cette personne, Alison Stone est la personne au milieu de l'écran. Euh, C'est une américaine. Mais qui a été, euh, comment on dit, présenté, décoré, décoré de l'ordre de chevalier des arts et des lettres euh, français par le ministère de la culture. Euh, donc c'est quelqu'un qui, qui a passé énormément de temps de sa vie à étudier quoi Ben à étudier euh, le Rochefoucauld-Grail et à le comparer avec d'autres manuscrits de l'époque qui racontent aussi l'histoire de Camelot et du Graal et de Arthur et il n'y a pas eu qu'un livre, il y en a eu environ 300 référencés euh, sur lequel on a des, des, des parties de livres encore existantes. Le Rochefoucauld les est celui le mieux conservé de tous. Et elle a passé sa vie, cette dame, Alison euh, Stones, à étudier, euh, et vous allez voir qu'on va s'en servir, à étudier la composition, euh, euh, à essayer de trouver qui l'avait fait les miniatures. Elle n'est pas du tout intéressée par Rock Island, mais elle, elle est sur un travail académique et elle est, euh, elle est euh, titulaire d'une chaire à l'université de Pittsburgh. C'est de là qu'elle tire ses revenus. Et elle a une maison en France, euh, dans le centre-est. Euh, je crois que c'est dans, euh, dans la Nièvre. Je ne suis plus sûr. J'avais trouvé ça. Alors, pourquoi je sais autant de choses sur elle Parce qu'en fait, je à être bloqué avec cette histoire de Rochefoucauld Grail. J'avais 7 ou 8 photos... Euh, qui correspondait à ce qui avait été divulgué lors de la vente aux enchères en 2010 du manuscrit, euh, mais impossible d'avoir la main sur l'autre, c'était une collection privée. Or, les gens qui ont fait le Lancelot Grail Project, là, et qui ont étudié, ont eux eu euh, la main sur les manuscrits du Rochefoucault Grail avant qu'ils soient vendus, avant 2010. Ils appartenaient à une bibliothèque privée hollandaise qui s'appelle la Philosophica Hermetica. Et ils avaient eu l'autorisation à l'époque de prendre des photos de chacune des pages en très haute définition. Ils expliquent ça, c'est le projet DIMS, i 2 ms Et donc, initialement, j'ai envoyé un mail à DIMS en disant euh, Vous serait-il possible de partager Notamment, je voulais pas tout leur piquer, et je savais qu'ils allaient me dire non si je dis je, je veux tout, notamment un folio en particulier. Et ils m'ont dit Il faut contacter, euh, faut contacter euh, Alison Stones. Donc, j'envoie un email sur l'email qui est euh, du Lance Regret Project en anglais. Et je me présente je lui dis que je travaille sur Rock Island. Que euh, très intéressé par Rochefoucault-Grel, notamment par le folio qui raconte euh, le voyage euh, vers, euh, à travers l'Atlantique vers Oak Island, avec euh, la codification du 155, avec, euh, avec le, le macareux, l'oiseau qui est caché en bas à droite, etc. Je me présente, je fais un bel email et puis j'ai pas de réponse. Puis j'ai pas de réponse pendant deux semaines, donc je me dis que c'est mort. Et puis je cherche et euh, le corps académique euh, est moins timide à a donné ses coordonnées, peut-être que le corps privé, mais je trouve sur des pages internet de l'université de Pittsburgh euh, son numéro de téléphone US, son numéro de téléphone en France, son adresse en France, et je lui envoie deux textos, un sur son téléphone américain en anglais, un sur son téléphone français en français, et je réexplique très succinctement, euh, et je lui dis, euh, c'est le dernier message que je vous envoie, je ne vous embêterai plus jamais de ma vie, euh, mais s'il vous plaît, c'est important pour moi, quoi. Et là, elle me répond. Elle me répond « Je suis désolé, j'ai trop de travail. » Bon, ce que je veux bien croire, il n'y a aucun problème. Euh, « J'ai regardé rapidement vos, vos images et ce que vous faites. Je ne vois pas de macareux. Okay » Ok, il faut passer un petit peu de temps sur l'image pour le voir, mais pas de problème, madame. Euh, « Ça m'a l'air très intéressant comme projet. Euh, en effet, nous avons les droits euh, sur les images et je vais vous donner l'image que vous voulez en très haute définition. » Alors là, j'étais sur un nuage. Parce que l'image que je voulais, vous savez laquelle c'est C'est celle du voyage parce que je sais qu'elle a d'autres choses à nous, à nous divulguer donc merci professeur Alison Stones premièrement deuxièmement il va falloir que je lui parle un jour et que je lui présente un mémoire ou je ne sais pas comment on présente quelqu'un à ce niveau là pour dire voilà ce qu'on a trouvé euh, parce que voilà ce qu'on a trouvé donc premièrement regardez à gauche c'est l'image sur laquelle on a travaillé jusque là c'est l'image qui était disponible sur internet j'avais pas une meilleure qualité mais j'ai quand même réussi à déduire l'histoire du voyage à travers l'Atlantique avec les étapes et à droite, la même image en très haute def. Et pour vous montrer le niveau de haute définition qu'on a, donc elle m'a envoyé ce fichier. Et on peut vraiment, vraiment, mais alors vraiment, vraiment zoomer jusqu'au euh, pixel. Hein. Il ils ont fait un travail de digitalisation qui est formidable. Et on va regarder ensemble cette image avec des choses qu'on n'avait pas vues la première fois. Euh, et ça va être très intéressant. Donc voilà, voilà, voilà cette image. Alors dans les choses, dans les choses nouvelles, que, qui n'était pas du tout clair dans la première. Je vais peut-être les mettre côte à côte pour mieux vous montrer. Euh, là, on se rend compte que euh, le roi Arthur a des chaussures sur lesquelles il y a un maillage. Je vais vous le zoomer tout à l'heure. Et ce sont ces seules trois chaussures qui ont un maillage. Alors que les chaussures de gauche n'ont pas de maillage. Alors, on a notre compas qui est très visible maintenant. Notre pointe de compas. Mais on voit bien que c'est des, ch des chaussons pratiquement. Est-ce que ça voulait dire que euh, jusqu'à ce point-là, qui en fait qui représente l'Islande, hein, c'est leur, leur leur stretch jusqu'en Islande. Après, ces terres inconnues, elle n'est pas quadrillée. On n'a pas les longitudes, les latitudes et les positions. Je vais vous la montrer en en zoom, en zoom fort. On voit bien, on voit bien que c'est un quadrillage sur les chaussures. Euh, Est-ce que ça représente des longitudes et latitudes et dire que jusqu'à ce point-là, c'est le monde connu et au-delà, c'est le monde inconnu On n'a pas de, on n'a pas de référence. C'est peut-être ça. En tout cas, on voit bien qu'il y a une différence dans les. Dans les chaussures entre les, les différents protagonistes. On voit aussi que euh, la ligne de 155, elle est légèrement courbée, hein, et on en a une autre en dessous qu'on ne voyait pas du tout sur la première ébauche. D'ailleurs, il faut vraiment zoomer pour le voir. Et enfin, on voit que les, les personnages ne n'indiquent pas 155, mais 154, puisque le pouce est replié sur le personnage bleu. Ça change pas fondamentalement notre approche sur Oak Island depuis l'Atlantique. 155, 154 sur 1 degré, ça passe. Il faudrait que je refasse les calculs par rapport aux îles, mais ce n'est pas 1 degré, je pense, qui va nous faire. Euh, euh, comment dire euh, qui, qui met en danger l'approche la, la, que j'avais. Mais on voit, on voit des détails et c'est surtout beaucoup plus agréable à travailler à l'œil avec un tel niveau de détail. Donc voilà, merci à Lee Et ça, c'est un petit. C'est vraiment. Ça fait du bien parce que ça, ça nous aide et ça va dans le bon sens. Alors, ça permet notamment de beaucoup mieux comprendre les jeux de regard des différents protagonistes, parce qu'on pense qu'ils sont importants, ces jeux de regard. Et là, on arrive à les mapper, on, on voit bien où les gens pointent, c'est beaucoup plus clair, on voit le, le roi qui pointe sur la main, la reine qui pointe aussi sur la main, on voit le monsieur derrière qui pointe sur la couronne qui en fait est la représentation en deuxième lecture d'un bateau qui est en train d'être sur, sur des vagues. On voit euh, ce jeune homme en bleu qui regarde les mains. Euh, Celui-ci... Alors, que, que, que pourquoi j'avais fait celui-là J'ai dû me planter. J'ai dû me planter. Ouais, j'ai dû avoir une erreur. Mais il regarde il regarde en plein milieu, et euh, lui, il regarde son copain. En fait, c'est ce que je croyais. C'est les premières lignes, je les avais tracées dès que j'ai eu euh, l'image en haut 13, et on, on verra que c'est pas exactement ça. Par contre, ce qu'on voit beaucoup mieux, et je vais dézoomer du coup, ce qu'on voit beaucoup mieux... C'est cette forme-là qui m'intrigue, la forme noire, qui, moi, je pense, correspond au, au bassin de la baie de Mahone. Mais mm, sur l'image initiale, telle qu'on l'avait euh, quand on l'avait en, en, en flou, si je peux le dire comme ça, celle de gauche, on voyait qu'il y avait une forme, mais on n'avait pas à définir les contours. Là, on arrive à définir les contours avec très haute précision. Eh bien, quand on regarde ces contours, parce que maintenant je peux les retracer correctement, donc on prend la, la barbe du monsieur à gauche, hein, qui a une une incursion à l'intérieur et puis on a on a les deux tétons là au-dessus de la au-dessus de la de la cape hein, si on regarde avec le la très haute définition ici et que je zoome on, on voit bien qu'il y a une forme là qui a été rajoutée et une deuxième qui est qu'on peut deviner en dessous et on voit beaucoup mieux la forme euh, avec d'ailleurs une une continuation dans les cheveux mais j'y reviendrai parce que c'était une vidéo en anglais j'y reviendrai un jour là-dessus donc il y a quand même une protubérance ici et que moi j'identifie. Si on met maintenant l'image en plein écran, euh, à gauche c'est le tracé que je fais avec mon stylo euh, de penpad, à droite c'est la juxtaposition de ce que je trouve, euh, et enlargie en respectant les, les proportions sur la baie de Mahone. Ça ressemble quand même beaucoup. Hein. Ça ressemble pas mal parce que ici on a bien euh, la baie de Lunenburg qui est représentée, on a bien cette forme générale de contour et qui revient à l'intérieur de la baie. Et on a Big, ta, Big et, et Little Tantcock Island qui boucheraient la baie, ce serait ses protubérances. Moi, ça me parle, ça me parle. Donc, c'est super agréable d'avoir ça en haute définition parce qu'on voit plein de choses qu'on qu ne voyait pas avant. Et puis, parmi mes, mes viewers anglais, il y en a quelqu'un qui s'appelle Gazbo, parmi les 5000 abonnés, et qui m'expliquait, quand j'ai publié en anglais hein, sur la chaîne version US... Bah, le fait que, ça y est, on avait une image haute définition et qu'on voyait des choses, donc je l'ai annoncé, et il m'a dit, euh, écoute, euh, je suis content, je ne vais pas vous le traduire, mais je vais vous expliquer en gros sa pensée, euh, je suis content que tu reparles de cette image, parce que moi, à l'époque, je t'avais envoyé euh, sur ta chaîne euh, un message qui proposait euh, un plan géométrique de cette miniature, parce que j'y voyais une symétrie. Et donc, en effet, il euh, y a un an il m'avait envoyé euh, et j'avais pas dû j'avais pas dû avoir la patience de le lire à l'époque, j'étais sur mon propre agenda et il m'avait envoyé un set d'instructions et puis j'ai décidé de prendre 5 minutes et de tester parce que il insistait et maintenant qu'on avait l'image en haute de def pourquoi pas. Donc j'ai traduit ces instructions, et il dit je propose que la mise en place de l'élaboration nécessite des points fixes pour créer une frontière. J'ai choisi d'être le centre des petits carrés de chaque point. Donc il a pris les petits carrés on prend le centre des carrés ici là on prend le centre, le point, et il dit, moi je prends ça comme base de référence, ça me permet de faire un cadre, et le cadre est euh, orthonormé, il est perpendiculaire partout, donc pourquoi pas. Et il dit, ben, je vais croiser, comme ça je trouve le centre du tableau. Et le centre du tableau n'est pas le centre de la composition, puisqu'on va voir qu'on est légèrement décalé entre le centre de tableau et le centre d'intérêt de, de, de la composition. Et puis, il a dit, il y a un truc sur les regards, il y a quelque chose sur les, les, les visions de deux personnages, notamment de celui-là. Parce que lui, il regarde carrément en l'air les mouettes, et celui-ci. Et il a dit, enfin, il propose. Il propose que ces deux regards vont attaquer les coins, justement, ces points dans les carrés. Ce qui semble à peu près juste. Il semble qu'en effet, quand on aligne, alors il y a l'épaisseur du, du trait, hein. On prend le haut des yeux, le bas des yeux, le centre des yeux. Tout ça, c'est pas d'une précision mathématique, mais ça a le mérite quand même de résoudre un problème qui est où est-ce que ces gens regardent. Ben là. Ça me, ça me semblait très intéressant. Il avait trouvé que le regard de celui-ci était le coin justement en haut à droite. C'est ça qui regarde. Il regarde les angles. Bon, continuons. Alors, du coup, il explique qu'il trouve le centre du tableau et il peut diviser le tableau en deux. Et on aurait pu s'attendre que le tableau soit divisé en deux exactement au centre de cette pièce centrale. Non, pas du tout. Il est légèrement excentré sur la gauche. Et on remarque, alors. Que les deux lignes se croisent à peu près au même endroit sur cette ligne verticale, à peu près, parce qu'on va voir qu'il y a une erreur dans le modèle, mais ça, comme tout modèle, hein, on a une intuition, on le travaille et on découvre après que, ah ben non, c'était pas ça, je me suis planté de 2 cm, c'était ici. Et je vais vous expliquer après ce qui se passe avec ce point d'intersection. Donc Gasbo, Gary de son vrai nom, nous propose ça, puis il continue. Alors je vais pas tout vous la faire, mais en gros, il dit si je connecte maintenant ce point à ce point par une ligne, ça passe exactement par le centre des yeux de la fausse reine à droite. Je vous rappelle, la fausse reine Guenièvre à droite, le vieux chevalier Bertin à ses côtés, le roi Arthur en bleu, la vraie reine Guenièvre qui a le petit chien sur les genoux, et mon Dieu que ce chien il nous intrigue en ce moment. Et puis sur la gauche, un aéropage de personnes, peut-être des moines, peut-être, je sais pas, et qui sont en train de faire ce signe de 154 maintenant, puisqu'on a perdu un point. Donc, Gasbo propose de tirer cette ligne, hein, qui la ligne blanche qui passe par ces deux points, et on se rend compte qu'elle est exactement euh, sur les yeux de la fausse reine. Et puis, de la même façon, il dit je prends le bec, le bec du, du macareux en bas. Et un truc très intéressant à propos du bec du macareux, c'est que si on zoome dessus, hop, est-ce qu'on pouvait pas faire avant Mon macareux préféré. Si je zoome, je vois qu'ils ont ici, dans cette zone, ils n'ont pas relié, ils n'ont pas fini le bec. Ce qui nous donne une, une ligne, et ça, ça va être très intéressant. Et ce qu'on propose, enfin ce que Gazbo propose, c'est de prendre cette ligne et de tirer l'horizontale, en fait, l'horizontale euh, au niveau du bec. Ce qui va nous donner ceci. Hop. Ce qui va nous donner cette ligne-ci, ici là, la blanche qui est en bas, hein, celle-là, et celle-là, il se rend compte qu'elle flirte avec les genoux du roi et de la reine, et ah, étonnamment qu'elle est en fait exactement sur la ligne de l'arc de cercle qu'on voit ici dans la toge rouge. Si j'enlève ces lignes, hein, je vois qu'on on on, 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 l'a utilisé déjà, on l'a utilisé quand on a fait la traversée de l'Atlantique. <laughs> Bizarre à dire comme ça. Et qu'on s'est rendu compte que cet axe était 155 ou 154 du coup maintenant, et que c'est euh, la seule ligne qui permet de rentrer euh, dans la baie de Mahone jusqu'au fond de Chester sans taper une des euh, centaines d'îles qu'il y a dans la baie. Alors c'est intéressant parce que ici on a une ligne, hein? on, a, on a bien une ligne qui est dessinée à cet endroit là, et donc on se rend compte que elle est sur le même euh, axe, sur la même longitude que le bec de l'oiseau et quand on flirte avec les genoux du roi et de la reine. Donc pourquoi pas? Et donc du coup, ben, on a une indication, hein? on, a, on a un point caché derrière là, on a la petite barre noire, et ça c'est à 154 degrés. Ben, Gazbo propose de tirer une ligne à 154 degrés. Puisque c'est ce qu'on nous demande de faire. Et enfin, puisqu'ils nous le disent, hein, ils nous le disent clairement, hein, 154 degrés. Et enfin, il dit, ben ça, c'est le centre d'un cercle. C'est le point d'intersection entre cette ligne à 155 et ça, c'est les diamètres. Donc c'est le centre d'un cercle. Et la, la, le diamètre. Le centre du cercle et le diamètre réel du cercle cherché, il dit je descends verticalement et je vais jusqu'en bas du pied. Moi j'avais une autre suggestion sur laquelle j'en parlais à Michael avant-hier. Moi je serais bien allé jusqu'au niveau du compas parce que pour tracer des cercles, il n'y a rien de mieux qu'un compas. Donc c'est comme ça qu'on fait on, on, on plante à un côté et de l'autre côté on trace. Et le, ce que je propose moi ne correspond pas au modèle final parce que le modèle final marche très bien et le modèle que je propose ne marche pas du tout. Donc ça, on pense vraiment, ça c'est une intuition qu'ils ont eue. Donc Gasbo en premier mais Michael aussi de dire euh, voilà c'est je pars verticalement de ce point et je trouve ma référence. Vous notez d'ailleurs que la forme du pied à cet endroit-là ça fait ça 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 qui correspond quelque part à un outil de mesure ou on peut le voir comme ça. Donc ça c'est ce que Gasbo m'a proposé et à l'époque ça euh, bah à l'époque ça me parlait pas beaucoup notamment cette partie blanche je me parlait pas du tout et je trouvais aucune correspondance néanmoins quand Je projetais ce modèle-ci, donc le modèle allégé de Gasbo, et que je prenais la carte d'Oak Island où on retrouve nos cônes qui forment euh, les cônes formant la croix de Nolan. Ici, on retrouve ben le 429 extension, c'est la projection de cette distance ici. C'est pour ça qu'on appelle ça un point d'extension. Il est virtuel, il n'y a pas de rocher, et puis on retrouve. Euh, l'endroit probable de l'entrée de la salle souterraine. Euh, on retrouve l'entrée, euh, on est à peu près sur notre coup, euh, au niveau du chêne sur lequel il fallait creuser initialement. Le Money Pit historique sur lequel ils ont creusé est situé ici. Hein, je demandais hier à Michael, il y a 75 pieds US euh, du Money Pit historique à l'endroit où la carte de Zina code l'entrée réelle des souterrains. Euh, voilà. Et puis il y a la rampe, hein, qui est le mécanisme de fermeture ou d'ouverture à l'entrée du dispositif. Donc voilà un peu la conception de la géométrie sur la côté euh, est de l'île, donc à droite de l'île. Et bien évidemment, quand on superpose ce qu'on vient de trouver, on trouve que, en fait, si on aligne le centre qu'on a trouvé du tableau et qu'on l'incline, hein, si on l'aligne et qu'on l'incline à 60 degrés par rapport au nord. Parce que la croix de Nolan est, est inclinée à 60 degrés par rapport au nord, et qu'on aligne donc euh, euh, la structure principale verticale du tableau sur la croix de Nolan, et bien ce qu'on retrouve, c'est que on a un point d'intersection multiple euh, qui est le cône D, qui est en fait euh, le centre du tableau, tout simplement. Le centre du tableau, c'est le cône D. Euh, on retrouve le cône A qui est donc sur le même axe, pas de surprise, mais en fait rappelez-vous les pointillés c'est les lignes de mire, les lignes de vue de nos deux personnages, et en fait ils regardent les extrémités du tableau, ok, mais quand tu regardes les extrémités du tableau par rapport à là où ils sont placés, en fait ils regardent cône A pour l'un, et l'autre regarde cône A, qui est aligné sur le même axe, ça on savait que A, la hampe et Auchan Trans étaient alignés sur une seule ligne, mais il aurait pu regarder euh, il aurait pu regarder de là, en voir l'un, mais pas voir les autres. Non, ils l'ont positionné de telle sorte qu'il est dans la bonne ligne de mire. Donc, ça c'était il y a dix jours. J'étais un peu satisfait. J'étais un peu satisfait. Je me rendais bien compte que mon 409 extension point n'y correspondait pas. Hein. Je tapais en dessous. Hein. J'étais en dessous. J'étais pas en plein milieu. Je me rendais compte que bon, pourquoi pas. Allez, encore un, encore peut-être une coïncidence entre Island et quelque chose. Donc voilà le modèle révélé. Hein, quand, on, quand on utilise ça, c'est assez simple. Hein, c'est les diagonales principales du tableau. Et puis, c'est les axes de vue de ces deux personnages qui nous révèlent euh, le 429 Extension Point, bien que je sois un peu court de quelques centimètres ou quelques millimètres, le Kona et le Kondé. Bon. Euh, pff, on peut imaginer qu'il y a la hampe qui traîne, il y a le aucun Trends qui traîne, mais ils sont pas bien déterminés. Ils sont pas déterminés verticalement, mais moi, je sais qu'ils sont sur cette ligne. Et puis, en rouge, c'est la ligne est-ouest, la ligne vert, le petit vert. D'après Noustria, il est là, c'est cette fameuse ligne est-ouest qui part de, de l'île de Round Island, de l'île ronde, et qui traverse, euh, et dont se sert beaucoup la carte de Zina Alpern, puisque c'est un euh, une des lignes fondamentales de construction. Bon, moi j'en étais là, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'étais content. Euh, fin de l'acte 1, pourquoi pas. Et puis, et puis là, il y a Michael qui m'a appelé le soir même. Donc c'était son après-midi, lui. Il m'a dit... Euh, j'ai un peu travaillé ton modèle, euh, j'ai trouvé d'autres choses, regarde. Et là, on est parti pour une conversation, une discussion de deux heures qui nous a encore révélé d'autres choses, parce qu'on est comme ça, lui et moi, quand il y en a un qui trouve un truc et qu'il l'explique à l'autre, ça nous donne des idées l'un à l'autre, donc on a attaqué le problème, et voilà où on en est. Donc, Michael Idiot, qui okay, en part de ça, qui est, euh, qui est ta, ton, ton motif que tu viens de créer, hein. euh, on a enlevé les pointillés, on a un peu rétrécé les lignes pour que ce soit plus lisible. On note quand même qu'il y a des petits défauts d'intersection. Euh, là, il n'y est pas. Euh, Peut-être que l'œil, on devrait être un tout petit peu plus bas. Bon, on n'est pas parfait, parfait sur le modèle. Alors, Michael reprend les travaux de Gasbo. Ils ne sont plus en blanc, ils sont en jaune, puisque c'est des lignes de construction. Donc, c'est la ligne qui passe. Encore une fois, elle passe mal. Euh, voilà, Une fois, elle est au-dessus. Une fois, elle est en dessous. Et euh, elle arrive dans les yeux de la fausse reine Geneviève. Je pas à le dire. Alors en anglais, c'est pire. Oh là là, le nom de Guenièvre en anglais, je n'arrive pas à le retenir. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait encore ben, Il a repris la ligne de 154, là. Ça, c'est un sacré indice, celui-là. Là, hein. le, petit, le petit taquet ici, euh, qui explique qu'il faut passer, passer moi à travers. Et quand on mesure l'angle, moi j'avais mesuré 155 à l'époque, c'est peut-être 154. Et on se rend compte que c'est pile poil aligné avec. Euh, donc ça, ça va être sa jambe euh, droite, qui est derrière lui, comme s'il faisait une petite référence. référence révérence et là ici sur cette ligne sur le tibia en fait on se rend compte que la 155 elle passe pile sur le tibia bon donc Michael a construit ça très bien et puis il a repris la convention de Gasbo qui est de dire ça c'est le centre d'un cercle dont le rayon descend jusqu'au pied de façon intéressante quand on... quand on zoom ici on voit en effet que cette ligne là la, la ligne qui, qui traverse la... le tableau flirte exactement et tangente avec le pied et se retrouve sur le point de cette ligne rouge. Bon, on continue, donc il a tracé le cercle, le dit cercle, euh, puisque c'est un peu ce qu'il nous demande de faire, il nous demande de fabriquer un cercle et de le couper à 154. Bon, bah ben, on a fabriqué le cercle en trouvant le diamètre, peut-être que le diamètre est indiqué ailleurs, mais pour l'instant, le diamètre, il sort plus d'une intuition que d'un fait du tableau. Et puis Michael me dit, parce que ça, Gasbo l'avait à peu près trouvé, mais il me dit, voilà la nouveauté, enfin la première. Regarde le point d'intersection entre la ligne 154 qui a l'air si importante. La ligne 154, elle est là, hein, c'est la 154 degrés. Regarde l'intersection avec ton cercle. Je fais eh, OK, c'est ce point-là. Il me dit Tu le reconnais pas Je fais Ah bah ben non. Il me dit Ok, je te trace la ligne bleue, peut-être ça va venir. Bon. Donc lui, il avait reconnu ici, à ce point d'intersection, quelque chose d'assez important. Et puis il a continué. Et il a dit Maintenant, quand on prend la ligne verticale du diamètre et. Que à l'intersection de cette ligne de construction, on lui tire à droite et on la reporte sur la ligne principale, qui maintenant, on le sait, c'est l'axe central de la croix de Nolan. Bien. Et puis, quand on fait pareil en bas avec ce point d'intersection et qu'on fait encore à 90 degrés, ouais, ok, on arrive à ce point-là. D'accord. Donc, on a deux nouveaux points qui, en fait, sont sur la croix de Nolan, apparemment. Et puis... On va s'amuser, on va fermer le carré ici, et on se rend compte qu'on a encore un point euh, ici euh, qui pourrait être intéressant. En fait, on va voir qui va être intéressant. Donc ça, c'est comme ça que Michael me le vend. Je, je le suis, je dis, OK, bon, je te connais, je me connais, je sais sur quoi on travaille, j'imagine bien où tu vas en venir. Peut-être pas vous, mais ça va arriver. Et il me dit, ça, c'est un premier rang d'observation, c'est cette histoire de cercle en bas à gauche, et de projeter deux points de cette ligne verticale à travers le cercle. De cette façon que ça intersecte ici et de cette façon que ça intersecte ici. C'est suggéré par ce qu'ils sont en train de faire là. On met ça de côté, on le garde pour plus tard. Et puis il m'a dit, il y a un autre truc intéressant. Quand on prend une ligne qui part du bas ici, de cette intersection basse du tableau, et qu'on la fait passer exactement par ce point là ou ce point là, et bien il se passe un phénomène intéressant, c'est que cette ligne mauve coupe cet angle en deux angles exactement identiques, donc c'est la bisectrice. Et comment on sait que c'est la bisectrice, ben c'est que la distance de ici à ici égale la distance de ici à ici, c'est-à-dire que cet axe, par construction géométrique cet axe, axe violet, coupe ici ce triangle, l'hypoténuse de ce triangle-là coupe l'hypoténuse du triangle exactement en son centre. Donc ça devient la bisectrice et que les angles sont égaux des deux côtés. Et puis alors ça lui coupe le museau exactement en deux, exactement au milieu. Bon Michael, d'accord. Et, et quand tu prends les yeux de celui-là et que tu pars en arrière maintenant, tu te rends compte que tout le monde se recoupe sur cette ligne-ci, hein, qui est la ligne des yeux de la fausse Geneve qui passe par les points d'intersection ici. Qu'on qu arrive mal à dessiner parce qu'on a un petit problème de précision. Mais on voit que tout le monde se rencontre à ce point-là. Bien. Et qu'est-ce qui se passe à droite hein, À droite, c'est la même chose. Donc je trace ma ligne donc, qui part du bas, du point le plus bas du tableau, et qui intersecte ce point-là. Et je me rends compte qu'en l'intersectant, elle coupe le triangle en deux triangles dont les angles sont les mêmes. C'est donc bien la bisectrice. Et là, le dernier point, ben, l'un des rares œils qu'on n'a pas utilisé, c'est l'œil <laughs> du macareux. Qui voit quoi quand on est un pauvre macarou, on voit le bout de son bec Ben oui. Donc, si je fais de l'œil au bec, je croise exactement. Encore une fois, je retrouve ce point-là. Et alors, euh, particularité le bec, euh, quand le, le, je prends l'œil, je prends exactement ce point-là du bec. Hein. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, OK, pourquoi pas, Michael Tracer des lignes, hein, ça coûte pas cher. Bon. Et il me dit ben voilà le modèle. Alors, en plus. Il me dit, j'ai envie, j'arrive pas à t'expliquer pourquoi, mais tu vas le voir. De ce point-là, on va mettre une ligne complètement verticale qui descend. Et il me dit, regarde, elle flirte, elle tangente avec le pied du roi. Je lui écoute Michael, ça commence à faire beaucoup. Maintenant, tu vas me dire ce qu'il y a derrière. Il me dit, ben regarde, ça c'est le modèle complet. Je suis d'accord, ok. C'est le modèle complet que tu viens de me proposer. Il me dit, ça c'est notre carte. Très bien, c'est notre carte. Il me dit, ça c'est la croix de Nolan. On l'a légèrement désaxé pour qu'on puisse bien voir les centres des cônes D, C, A, e, B et le headstone et C. Donc j'ai fait exprès de légèrement décentrer en noir la croix de Nolan. Hein. La, photo, euh, la photo Google Earth est, est bonne. En noir j'ai légèrement décalé. Et puis quand on superpose, voilà ce que ça donne. Alors ça commence à être un peu fouillé, fouilli, mais j'ai mis en rouge tous les points d'intersection. Il y en a 11. Il y en a 11 pour l'intersection. Les lignes qu'on vient de faire là avec les yeux du bonhomme et je regarde en arrière et je pars du point et je trace mes lignes mauves, c'est les extrémités des cônes de de, de, de de la branche transverse du transept de, de la croix de Nolan. Là où tout le monde regardait, c'est cône A, on l'avait déterminé, ça c'est bon. Mais maintenant quand on a la reine, qu'on prend les yeux de la reine et qu'on passe à peu près, ce que je vous l'ai dit, il y a un petit défaut de géométrie, ben, on retrouve quoi On trouve la headstone au milieu. C'est l'intersection principale de la croix de Nolan. Quand on utilise le cercle, donc j'avais mon cercle, ça c'est mon rayon que j'ai utilisé et j'ai dit je projetais du rayon à 90 degrés. Je projette par ce point d'intersection. Je projette par ce point d'intersection. J'arrive où J'arrive en bas exactement au cône E, c'est-à-dire le bas de la croix de Nolan et j'arrive à peu près au volt. On va parler des précisions dans un instant. J'ai fait moi rajouter ce point-là tout à l'heure, je vous ai dit allez je le mets en passant l'intersection de la ligne orange, ça correspond au triangle 2. Je le savais, c'est pour ça que je l'ai fait, mais Michael au début ne le mettait pas dans ses modèles, maintenant il le rajoute. Qu'est-ce qu'on a encore de très intéressant Ah oui Le point que m'a fait rajouter Michael, l'intersection du cercle. L'intersection du grand cercle. Et de la ligne à 154. 154, c'est celle-là, hein 154 degrés. Elle arrive où elle arrive au 7 point. Et ça, c'est pas mal quand même. Parce que le 7 point n'est pas un point réel où on trouvera un, un cône. En fait, on n'en sait rien. On aimerait bien savoir ce qu'il y a au 7 point. Parce que le 7 point, il est issu de la une des premières déductions et des plus importantes de la carte de Zina Alpern. Le 7 point, si vous avez su suivi la vidéo qui s'appelle 7 preuves qu'on on a vrai ou que la carte Zinalpern est authentique, enfin explique exactement ça. Eh ben, Fred Nolan avait remarqué un amoncellement de triangles en pierre qui pointaient, comme je vous l'avais démontré exactement sur le set point. Et maintenant, on a le set point dans le Rochefoucauld Grail. Alors que c'est un point virtuel. Triangle 2, c'est la même histoire. Il n'y a pas, il y a pas de triangle sur. Vous euh, aller sur place, il y a pas de triangle en bronze par terre. C'est un concept. C'est un concept qui vient de la carte Zinalpern et qui nous permet d'aller sur le côté ouest de l'île et déterminer où sont ces deux points. Ces deux la valve... Enfin, il faut regarder les autres vidéos avant. Hein, je... La hampe. La hampe, elle, elle a été imaginée par, Zina Alp... par la carte de Zinalpern. Nous... C'est le cadran. En fait, c'est le cadran qui est comme ça. La hampe, elle est décrite dans euh, le petit texte crypté euh, qu'on décode par substitution et qui dit euh, à 522 pieds, la hampe euh, en face de vous une fois que vous êtes rentré dans le Hawk Entrance. Le Hawk Entrance, c'est un concept de... La carte de Zina Alpern. Puisque, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Money Pit, il est là. Hein il est à peu près là. En gros. Il est à 75 pieds US, euh, au nord de, de and Trends. En fait, and Trends, il n'a jamais été ouvert, hein, à mon avis. Hein. Il est dans, dans l'état dans lequel ils ont. À moins qu'il y ait eu tellement de coups de bulldozer dans cette zone, ce qui est très possible. Donc, waouh, waouh Là, je n'ai pas mes trois points. pas, Tout à l'heure, j'avais euh, le cône A, euh, le 429 Extension et le cône D. J'avais 3 points, là j'en suis à 11 points de correspondance. Avec une construction dont on n'a pas tous les secrets euh, et le manuel, mais dont la, la méthode de Gazbeau m'a l'air tout à fait honorable, de dire euh, je cherche le centre de l'axe du tableau, euh, je regarde les yeux où ils vont, euh, on me demande de faire un cercle, on me demande de le couper à 154 degrés, enfin, il y a des instructions quand même sur ce tableau. C'est pas mal, hein Moi je trouve c'est pas mal. Alors Michael a continué ses travaux parce que Michael est un perfectionniste pour le bien de l'humanité. Merci Michael. Et il a dit bon, moi j'ai pris euh, un truc en plus. Le modèle de Gasbo à gauche, c'est de faire le cadre à partir des points centraux, mais je vais aussi faire le cadre à partir du cadre. C'est-à-dire que je vais prendre le point central et je vais prendre aussi un deuxième cadre, un sur-cadre, qui lui, comme on me le demande de le faire, hein, c'est l'angle droit du coin en haut à gauche, hein, en haut à droite. Donc, on me demande juste de continuer le travail que j'ai commencé. Vous allez voir pourquoi il fait ça. Et puis qu'est-ce qu'il a fait encore Il a remarqué que euh, la construction géométrique était beaucoup moins bancale et beaucoup et beaucoup plus précise en termes de points d'intersection. À partir du moment où on n'utilisait pas ce personnage et ses yeux qui regardaient euh, dans cet angle-là, parce que c'est un peu subjectif, hein, la règle on la dépasse d'un degré, on tape ailleurs. Et il a trouvé que ce personnage caché derrière dont on ne voit qu'un seul œil, alors c'est dur de tirer une ligne quand on n'a qu'un œil, mais L'idée, c'est devait avoir encore des instructions cachées qu'on n'a pas. Mais quand on prend ce personnage ici, son œil, et que c'est cet oeil-là qu'on projette sur ce coin, tout fonctionne correctement. Il s'est aussi rendu compte que le 429 Extension Point, que moi, je l'avais mis là, initialement, à cet endroit-là, et, et j'avais du mal, quand je le représentais sur Oak Island avec Google Earth, j'avais du mal à le faire correspondre. Il dit non, le 409 Extension, il est sur l'extrémité extérieure. Comme son nom l'indique, il faut étendre le tableau, extension, il faut l'étendre. Donc, il est bien en haut ici, et les lignes ne se croisent pas au 429 extension point. Il n'est révélé qu'à la fin, ici, en haut. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, euh, il a un peu mieux travaillé son modèle, mais globalement, voilà le modèle. Alors, euh, lui, il ignore royalement pour l'instant ma suggestion, qui est de dire tu devrais quand même tracer celle-là, parce que celle-là, euh, ça, ça arrive. Euh, à la voûte en bas de terre, et pour moi, c'est un point important. Je crois qu'il l'a remis dans son dernier modèle. Mais vous voyez, les modèles évoluent, hein. on travaille dessus. Et... Pareil, euh, ici, euh, il n'utilise plus, il n'utilise plus en bas du tableau, alors ça va être par ici, il n'utilise plus la bisectrice pour déterminer euh, les bras de la croix de Nolan. Hein il utilise un autre artefact qui est euh, le regard, les deux regards croisés, mais c'est sujet à débat parce qu'on fait varier d'un angle, d'un millimètre. Mais enfin, bon, voilà le modèle qu'on a. Euh, donc il a travaillé là-dessus. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dessus Ah oui, très intéressant. Ah ça, ça commence à être de la révélation. là. C'est un truc, ça c'est du pur Michael et Olivier. Rappelez-vous, on s'est servi du damier en bas, l'échiquier. On s'en est servi pour calculer, euh, pour calculer des jours de navigation sur mer, puisqu'on voyait l'eau. Et on voyait un jour, deux jours, trois jours, et on a fait une hypothèse de une certaine vitesse, et on calculait les distances pour se rendre compte que c'était bien le trajet qu'on nous suggérait euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Ben, ce damier, ils ne l'ont pas utilisé que pour ça. Et on en a déjà on a déjà trois raisons, on a trois solutions à l'utilisation du damier, et on sait qu'il y en a d'autres. On est en train de les, les matérialiser. Ça. Donc La première, c'est le damier, c'est raconter le nombre de jours de voyage entre deux points, euh, suivant ce voyage codé par les mains et les angles des mains. Bien. Michael, il s'est rendu compte de la chose suivante. Entre ce pied-là et ce pied-là, il y avait 20 cases, 5 x 4, 20 cases. 20 degrés ben, En fait, le set point qui est ici, hein, qui est le set, la ligne rouge du set point, qu'il a mis en rouge pour montrer que ça correspond à 20 degrés, elle est à 20 degrés de l'axe principal de la croix de Nolan. Coïncidence. Ensuite, de ce pied-là à ce pied-là, il a compté 75, c'est 15 fois 4. 75, 60 degrés. Coïncidence. La croix de Nolan... La croix de Nolan par rapport au nord elle est orientée à 60 degrés. C'est-à-dire qu'en fait votre île au vue nord-sud, elle, près... oh, elle est à peu près comme ça. Nord-sud. Hein? Et la croix de Nolan elle est comme ça. Donc elle a un angle de 60 degrés mesuré pile poil par rapport au nord euh, euh, magnétique, géographique, pardon. Nord géographique, elle est aligne 60 degrés. Et on trouve ici 60 degrés, donc il a mis en cyan, cette couleur, la croix de Nolan. Et puis, donc ça la, croix, la, la ligne qui va de 7 points au 429, elle est à donc 20 degrés la croix de Nolan. La croix de Nolan elle-même, elle est à 60 degrés du nord réel. Et la ligne qui va du cône E, le bas, pardon, c'est pas le bas, c'est le cône E dans la croix de Nolan Jusqu'à l'entrée du Hawk, elle est exactement elle et elle a toujours été à 40 degrés. Or, ici, on compte 40 degrés puisqu'on a 10 cases x 4 cases entre ce pied et ce pied. C'est soit une belle coïncidence et on est plein de ressources à voir des choses qui n'existent pas, soit ça a été complètement codé parce que c'est des lignes, c'est les lignes les plus importantes pour arriver à la solution de Island. C'est ces lignes-là. Je vais vous le montrer dans une, à la fin, à la conclusion. Mais ça avance, le travail, avec, euh, avec sa bête tiens, c'est pas la conclusion, c'est maintenant. Quand on enlève euh, tout ce qui est superflu, quand on enlève le tableau et qu'on enlève l'île elle-même, la construction géométrique qu'il nous demande de faire sur le tableau est celle de gauche, c'est la suivante, et quand on l'épure parce qu'on garde uniquement les lignes les plus importantes, c'est le motif qu'on a à droite. Parce qu'au final, si vous avez la croix de Nolan, hein, du cône A au cône E, hein, elle est bien là, si vous avez la croix de Nolan, que vous avez les angles et que vous avez la distance, parce que rappelons-nous, parce que vous vous en rappelez peut-être pas que cette distance c'est 1444 pieds et c'est une référence au document fourni par Bill Jackson sur 1347 pieds d'avant 1650 ou dans la note de Marie le fait que la personne est morte en 1978 qui reconvertie, donne une autre distance mais 1347 pieds français d'avant 1650 c'est égal à 1444 pieds US modernes ce qu'ils ont mesuré 1444 pieds donc, c'est ça qui avait marqué sur la carte de Zinalpern. Alors, en fait, vous avez besoin de distance, vous avez besoin de la croix de Nolan, et vous avez besoin des angles. Parce que si j'ai l'angle et la distance, je trouve le point. Si j'ai l'angle et la distance, je trouve le point. C'est aussi bête que ça. Donc, en fait, le modèle de Kyland, vu par ce calcul presque polaire, est, est plutôt facile à appréhender. Une fois qu'on a travaillé dessus pendant 4 ans avec euh, cinq avec documents différents, quoi. Une fois qu'on a tout décodé. Mais euh, le modèle est plutôt, est plutôt simple, plutôt joli. Donc voilà, maintenant recopier sur l'île. Hein, comme je vous le dis, donc le Hawk Entrance, il est là. Euh, personne n'était jamais allé dans le Hawk and Trent, Le Money Pit, il est supposé être par là. Donc on est bien à 75 pieds. On a la hampe qui est sous terre et qui est cette valve. Et qui est confirmée par maintenant 3-4 documents différents. On a la croix de Nolan avec son extension. Et puis on voit euh, le fameux set point qui est là et qui nous intrigue tellement. Et on voudrait tellement aller sur l'île et voir euh, si, est-ce qu'ils ont matérialisé ce point. Parce qu'en fait, ce point sert après à calculer d'autres choses qui nous permettent d'aller sur la côté ouest de l'île, et notamment, euh, autant j'actionne l'entrée d'eau qui vient par un canal à partir de la hampe, autant la sortie d'eau et l'évacuation d'eau, elle est contrôlée depuis l'ouest de l'île, apparemment, d'après les documents qu'on a. wow waouh, waouh, c'est Rochefoucauld-Gray, qui confirme la carte de Zina. wow 11 points, dont des points physiques, hein, tous les cônes du... Les cônes de, de la croix de Nolan sont référencés On a les coordonnées GPS. Ils existent. Vous, pouvez, vous pourriez aller sur l'île et les voir. N'êtes toujours pas convaincu Alors regardez, j'en ai une autre pour vous. Quand je vous dis qu'on a travaillé. Ça c'est la croix de Nolan. Zoomé. J'ai pris, euh, je l'ai dessiné et puis j'ai noté les points d'intersection. Comme on nomme les cônes, on les appelle, donc, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, chez les chercheurs, on appelle ça cône A, cône B, comme ça on est sûr de savoir duquel on, on parle. Donc je les ai pris et J'utilise un logiciel là pour vous présenter qui s'appelle PowerPoint et qui a une particularité quand on manipule des images et qu'on augmente leur taille, on augmente leur taille en proportion, c'est-à-dire qu'on ne perd jamais les proportions et les rapports de distance. Donc j'ai pris une copie de cette croix de Nolan. Et maintenant, oui, c'est vrai, c'est comme un roller coaster. Asseyez-vous et mettez votre ceinture. S'il vous plaît, faites-le. Vous vous rappelez du damier qui nous a servi à calculer des distances entre les pieds ben, là, Il ne sert pas qu'à ça. Il servait à calculer des nombres de jours de voyage entre deux positions de pied, sachant que chaque personne indiquait une étape et donc un endroit d'où le voyage continuait, étape après étape. Là, on s'en rappelle. Et je trouvais ça absolument magnifique. Mais les mecs qui ont conçu ce tableau de rochefoucault Grail, ils sont plus malades que moi. Regardez ce qu'ils ont fait. Je vous la refais? Non seulement les pieds montrent des nombres de jours, mais les pieds indiquent exactement en proportion l'axe principal, l'axe principal le plus long de la croix de Nolan. Sur cette chaussure, on a le cône A, sur cette chaussure, on a la Headstone, sur cette chaussure, on a le cône D, et sur cette chaussure, on a le cône E. Alors ça, comment on a découvert ça J'étais en train de parler avec Michael d d des autres découvertes que je vous ai montrées juste avant, il y a deux minutes. Je discute, et puis je lui dis, mais attends, 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 attends laisse-moi faire un truc. Et je le fais en temps réel devant ses yeux. On s'en est même demandé à la fin, mais comment on arrive à faire ça maintenant Et en fait, la réponse, je l'ai verbalisée, je pense, c'est que après avoir travaillé 4 ans sur des croix de Nolan, sur des distances, sur des angles, on les, on les a mémorisées dans notre subconscient. Et quand je vois cette formation de pied, c'est ce qui s'est passé, hein, je vous jure, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un flash subconscient qui m'a fait dire, attends, 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 t'as le même rapport que la croix de Nolan, mais Personne ne peut le voir. Il faut avoir bossé sur le truc pendant des années pour avoir. Le... Et c'est pas mon conscient, hein, c'est pas moi proactivement, c'est mon subconscient qui m'a fait un clin d'œil en disant Attends, les... ça me parle ces rapports. Ça m'a ça a tiré... mis la puce à l'oreille en fait. Donc c'est génial. Ils ont codé l'axe principal dans le tableau. Mais on peut aller plus loin. Parce que la croix de Nolan, elle est physique, elle est réelle. On a les coordonnées GPS, on les a ces distances. On sait exactement combien ça fait ça en distance, en mètres ou en pieds. Ça, on les a, on les a mesurés. Bah, il suffirait de compter les cases. Et puis, par rapport à la distance, bah, de regarder combien fait une case. Parce qu'au final, ce qu'ils qu nous ont dessiné en bas, les loulous, c'est une échelle. C'est une échelle. Aussi, cet échiquier. C'est une échelle dont chaque carré va correspondre à une distance. Et on va la retrouver. Et on aurait pu la retrouver à l'époque en mesurant tout simplement la distance entre les cônes formant la croix de Nolan. Et on retrouvait des informations supplémentaires parce que maintenant on va voir une échelle matérialisée par cette euh, par ce, cet échiquier on essaye la première distance entre, a, entre le point a et la head donc qui était la, euh, le cône qui était enterré qui a été dé dé déterré par, par, par euh, Nolan donc c'est 44 mètres ou 145 pieds us tous les pieds quand je mets fit quand je mets fit ici à chaque fois ça va être des feet des pieds us. Quand je parle de pieds, c'est les pieds français d'avant 1650. Le rapport, c'est un pied one foot US égale 0,933 pieds français avant 1650. C'est les, les pieds de Charlemagne, en fait. On a hérité de Charlemagne, c'est le pied de Charlemagne. Et, euh, les, et, et donc un pied, ça fait que 0,933 pieds US. C'est le rapport. Euh, pied français, c'est le rapport. Donc je reprends, entre A et la tête, on a 44 mètres ou 145 pi pieds US ou 135 pieds français. Et on compte, parce que je l'ai mis là, mais c'est la chaussure qui fait foi apparemment. 1, 2, 3, 4, 5 carrés. 5 carrés. 5 carrés pour 135 pieds français, ça fait 1 carré égale 27 pieds. Pile poil. 0,0. 0. Ou si on veut en US... 29 pieds, mais c'est juste pour illustration quand j'avais fait la vidéo pour mes amis américains pour qu'ils ne soient pas paumés parce que des fois ils rament entre les pieds et les feet. Euh, donc en anglais maintenant ils, maintenant, ils disent euh, sur les vidéos on dit euh, feet pour les US et on dit pied pour les Français. Mais nous en français on appelle ça des pieds, donc ça va pas nous aider. Deuxième section, la deuxième section elle va de la tête jusqu'au cône D. Bon, on va compter. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 carrés. 15 carrés, et on sait que ça fait 131 mètres et des brouettes, ou 429 pieds et des brouettes, ou, alors ça c'est phénoménal, 400 pieds français d'avant 1650,00. à croire que ça a été la première distance qu'ils ont posée avec un chiffre rond. Mais en tout cas, quand on divise 400 pieds par 15 carrés, on trouve qu'un carré ça fait 26,66 pieds. Tout à l'heure j'étais à 27. Rappelons-nous qu'ils n'avaient pas de télémètre laser pour mesurer les distances, hein. Bon, pas trop mal. On fait le dernier. Donc, le dernier, c'est entre, euh, entre D et E. Et entre D et E, on a une distance mesurée sur site de 89 mètres, soit 273 pieds français. On a 10 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puisqu'on s'arrête là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. En fait, je pense qu'il y a une légère erreur. Parce qu'on devrait avoir 11. Euh... alors si on a 11 on retombe à 26,66 en gros vous m'excuserez, entre 10 et 11 mais on est encore, on devrait être à 26,66 si on est à 11 on va le faire, hein. je, vais vous... je vais pas vous truander, euh, on, va... on va le tenter, alors c'est 10 ou 11, j'avais calculé 10, c'est étonnant, donc j'ai euh, 273 pieds divisé par 11 je suis à ah, 24, voilà ouais, c'est plus gênant hum faut que ça parce que j'avais vraiment calculé euh, j'avais vraiment calculé 10 à l'époque. 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10 parce que je prends ce pied-là, mais le E il descend jusque-là. Donc je devrais prendre ce pied-là. Donc j'ai peut-être une erreur de 1. Bon, à revoir. à revoir C'est de la recherche. Désolé. C'est peut-être pas aussi évident que ça sur les carrés, mais j'avais calculé 27. En fait j'avais plus ou moins montré que l'hypothèse qu'un carré, c'est 27 pieds, n'était pas mauvaise en soi. C'était pas 50 pieds, c'était pas 4 pieds. C'est soit 26, soit 27. On va partir là-dessus. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que on a utilisé ce pied, on a utilisé maintenant ce pied, on a utilisé celui-là pour calculer cette longueur ou pour positionner la croix de Nolan, et euh, on a utilisé celui-là. Je suis arrivé au bout, donc je devrais avoir 11 cases et pas 10 en effet. Il me reste ce pied qui n'a pas été utilisé et ce pied qui n'a pas été utilisé. Et pour l'instant, on ne m'a donné que la distance. Sur la longueur longitudinale de la croix, on ne m'a pas montré encore le transept, et là, C A B. Ben, hé, eh, eh oui, et eh oui, ils l'ont fait, si. Et quand, quand on l'a fait avec Michael en temps réel, j'ai dit, ah les salauds, c'est incroyable. Donc je répète, ça on l'a utilisé. Dans le premier dessin, sur la partie longitudinale, ça on l'a utilisé, ça on l'a utilisé, ça on l'a utilisé. Ben vous me croyez quoi Vous me croyez que quand je positionne maintenant la, la croix et que je l'agrandis pour qu'elle colle pile poil là et à droite D'ailleurs, il y a même un retour vertical, un petit trait noir, je jamais vu. Et que je compte le nombre de cases et que je les multiplie par 27, il se passe quoi ben, Je compte le nombre de cases. Il y a 25 cases. J'avais mis l'hypothèse de chaque case égale 27 pieds. Donc, ça nous fait 675 pieds français d'avant 1650. Et quand on le mesure sur l'île, ben, les bras font 110 mètres chacun, soit 220 mètres. Exprimé en pieds, 360 pieds US chacun, donc 720. Converti en pieds français, 672 pieds, la longueur totale entre C et B. Alors que ici, dans ce graphique, avec une hypothèse de 27 pieds par carré, on trouve 675. <laughs> J'en rigole parce que c'est 0,5% d'erreur. 0,5. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est que la logique, la logique tient. Hein Les pieds là sont utilisés pour la partie longitudinale. Et les pieds restants, ça nous, m'a ça pris un quart d'heure à le trouver, sont là pour la partie euh, axiale. Donc en fait, la croix de Nolan est codée en bas dans le système de pieds aussi, avec le même objet dont ils ont réussi à nous faire utiliser pour le voyage. Et c'est là que c'est un tour de force ce tableau, c'est magnifique, c'est un tour de magie quoi. Et c'est pas fini, hein. Il y a, on est encore en train de travailler dessus, c'est tout frais ce que, ce que je vous vends là, ça a 10 jours. Hein. Euh, Rendez-vous dans trois mois, parce que l'image, ça fait deux ans que je l'ai sous les yeux. Hein. Et quand je pense que le message de Gazbo traînait, mais le message de traînait dans ma boîte mail depuis un mois, un an, mais on n'avait pas l'image en haute def. C'est l'image en haute def qui nous permet de faire ça. Sans la haute définition, on n'y arriverait pas. Waouh. Moi je suis encore plus épaté par système que ils ont. <laughs> je trouve ça magnifique. La croix de Nolan elle a deux dimensions, ils ont réussi à coder ça sur un plan à une dimension. Et parfois ils nous font choisir certains pieds, parfois d'autres pieds. Les rapports de pieds sont exactement les rapports de la croix. Les distances matchent, à part ce que je viens de trouver là, peut-être comme petite erreur. Enfin, c'est. C'est hallucinant ce tableau. J'avais promis à Michael que j'en parlerais pas, et ai, je l'ai fait dans la vidéo US, alors je vais le faire dans la vidéo française. Maintenant, on a une bien meilleure vue sur le voile qui est en bas. Ce voile-là. C'est ce qu'on nous dit, on nous vend que c'est un voile. On nous vend que c'est un voile, on nous vend que c'est un voile. Euh, si ça, c'est la terre ferme. Hein, euh, on est sous terre puis on est sous terre avec un puits à gauche, on est sous terre avec un puits à droite on est sous terre avec un puits qui est juste à côté ben, du cône de la croix de Nolan est-ce qu'il n'y a pas une entrée de puits sous le cône ça, ça pourrait être l'entrée du Money Pit ou le Hawk le Entrance ouais mais alors les distances correspondent pas, bref voilà on est en train de se casser la tête là-dessus est-ce qu'on n'est pas en train de changer sur la partie droite du tableau, en train de changer d'échelle j'ai remarqué un truc cet après-midi que j'avais jamais remarqué, je vous montre Ok, là, l'histoire des, des carrés, elle est claire. Elle est claire, sauf que... Regardez l'épaisseur, là, en haut de cette tranche-là. Épaisseur constante, épaisseur constante. Puis là, je sais pas ce qui se passe. Là, on descend, là. Euh. Vous voyez qu'on descend là, Les carrés, ils font plus du tout la même hauteur. Ça a une signification. Je sais pas laquelle encore. Mais ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'ils nous, nous disent que c'est pas des 27 Parce que chaque carré fait 27. 27, 27. Donc là, c'est un demi-27. Donc c'est 13 pieds. Je sais pas. Je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que... Ici, là, le bord du tableau. Le bord du tableau, normalement, il devrait descendre droit. Puis, alors, il devrait descendre droit pile sur ses cases, normalement. Hein Tous les tableaux, ils sont, ils sont rectangulaires, ils sont pleins, ils ne bougent pas. Ben non. Celui-là, ils nous ont fait, une, ils ont fait une carabistouille. Parce que celui-là, au niveau de la queue du puffin, hop, il s'écarte. Et il s'écarte pourquoi Ben normalement, il devrait tomber là, Ben, il s'écarte pour mettre deux cases supplémentaires. C'est pas pour rien, hein. C'est pas juste pour placer la queue de l'oiseau. Il y a vraiment un, une, 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 une volonté de ne pas utiliser le même modèle qu'à gauche, sur lequel on a un rectangle complet, là on a une déviation qui laisse à la fois passer la queue du puffin, mais surtout qui permet de rajouter deux cases, deux carrés. Donc je suis en train de travailler d'imaginer que la distance là c'est plus 27 sur la partie de droite, c'est qu'à partir d'un certain point, la distance à droite, un carré c'est plus 27, c'est 270 par exemple. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'ici, on a un carré en or. Est-ce qu'un carré en or ça compte pas double je sais pas. Je sais pas. C'est comme ça que qu'on travaille à l'intuition. Hein. Je n'ai pas de guide. Hein. C'est des corrélations. Et... Mais on a assez maintenant de sources croisées pour, pour, voir, pour, voir, pour voir comment ça marche. Et surtout maintenant, on a des clés. On sait qu'ils ont utilisé ces auteurs. Ils ont utilisé les regards comme système de codification. Ça, c'est important. Ils ont utilisé les, euh, le, le carré autour du euh, tableau comme référence. Il nous demande de chercher des symétries. Ça, on va pouvoir s'en servir. Ça, c'est très, très intéressant. Donc voilà, euh, le, le, le voile, est-ce qu'il représente, est-ce que c'est souterrain Est-ce qu'ici, quand on a trois carreaux et demi, ben, on a euh, 27 x 3 plus la moitié de 27 de distance verticale J'en sais rien. Mais c'est intrigant, ce voile, et c'est intriguant, Surtout avec cette forme. Bon, c'est un foulard, hein, il y a cette, bien cette forme. Mais est-ce que c'est pas de l'eau Est-ce que c'est pas lent Je sais pas. Ça, ça travaille dans ma tête. Hein. <laughs> Alors, les conclusions. Finalement, j'aurais tout fait en une heure. Les conclusions. Ah, bah, je vais vous la montrer. C'est la page de. C'est la page de. Euh, de, de voilà, c'est la page de Grail Où on peut retrouver euh, toutes les informations euh, sur ce projet, qui, entre autres, est piloté par cette chère professeure euh, Alison Stone, qui est ici. Hein, si on clique sur son lien, voilà, on a, on a PhD. Et puis, on a tous les livres qu'elle a écrits. Il y en a beaucoup en. Grand public, PDF, gratuit, puisque c'est du travail universitaire. Je commence à en lire certains. Alors, c'est à la fois pas intéressant et à la fois super intéressant. C'est pas intéressant en tant que tel, les études comparatives de miniatures du 14e siècle. Mais alors, pour ce qu'on est en train de faire comme travaux, euh, j'ai déjà du matériel pour deux vidéos de plus de ce que je suis en train de trouver. Mais c'est euh, dingue, quoi. Il faudrait que j'arrive à en faire ma copine, Madame Addison Stone. Il faut qu'on discute, on a plein de choses à se dire. Parce que nous aussi, on les étudie sous une autre forme. Et. Quand on regarde, donc ici, c'est là, là le produit de leur travail, ou une partie du produit, c'est les pages comparatives. Donc ils ont comparé le Rochefoucauld Grail avec, par exemple ici, le London British Library, qui est un autre recueil de l'histoire de la table ronde, de Camelot, de Arthur, de Geneviève, mais qui n'est pas le Rochefoucauld Grail. Des hein, livres, je vous ai dit, un œil 300. Et ils le font par section, donc ils recherchent des, des, des ensembles de, de phrases qui sont similaires. Et ici, à gauche, dans le British Library, de cette version-là, sur le folio 131 et ici dans notre euh, Rochefoucault-Grelle qui s'appelle dans leur site l'Amsterdam à Bibliotheca MS1, MS1 volume 2, c'est celui-là qui nous intéresse. On voit que sur le folio 202, ben, les les scribes écrivent la même chose, mais nous, on a le droit à une image qui n'existe pas dans les autres manuscrits. Ça, c'est intéressant. Et c'est le cas assez fréquemment dans le Rochefoucault-Grelle, comme vous pouvez le voir. Par contre, ils ont fait des études d'autres. Euh, morceaux de toute cette aventure. Par exemple, Merlin et la suite Vulgate. Là, ils en ont comparé trois et ils trouvent plus de correspondances. Alors des fois, c'est même le, le Rochefougeret, il n'a pas d'image ou n'a même pas de section, puisque le Amsterdam il est là, c'est nous. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Ça, c'est un, un autre. Ça, c'est un autre. Et on voit que le Amsterdam, il y a des endroits où on n'a même pas de texte. Ça a été ignoré. Par contre, on a encore ici sur le dernier, sur euh, la suite Vulgate. Euh, non, pardon. C'est sur les affaires maritimes. Hop, l'histoire. Voilà, Là, par exemple, ils ont fait une étude comparative des pour le même texte, des ce qu'ils appellent des champis. Alors, je connaissais pas le mot, des champiers, des champis. Ça s'appelle un champi, cette grosse initiale peinture lurée. Et on voit, par exemple, pour euh, l'image du roi Mordrin sur le rocher, euh, on a celle-ci. Dans la bibliothèque de Rennes en France, dans le manuscrit qui s'appelle euh, le BM255. Si jamais vous êtes à Rennes et vous ne savez pas quoi faire de votre après-midi, vous allez à la bibliothèque, vous demandez le BM255. Je pense que vous serez le seul à le demander cette année. Et ici, voilà, Champi initial, ils appellent ça un Champi. Ça, c'est au Mans, si vous habitez le Mans, n'hésitez pas. Euh, et enfin, notre Alors là, le London, il n'en a pas, celui-là, il n'en a pas. Et notre Amsterdam, il est là. Et lui, il a ça pour ce paragraphe. Intéressant, hein Et là, il y en a encore un, c'est le Paris BNF 105. Et là, par exemple, lui, là, il y, a, y, a, y en a un à gauche qui a du texte, euh, c'est Pompéi qui attaque les pirates. Pompéi qui attaque les pirates. Et, et euh, ça, c'est... Euh, alors ça, c'est pas du Rochefoucauld Grail. Je vais pas la travailler, du coup. Parce que j'ai découvert un truc que je vous livre pas aujourd'hui, mais il euh, y a que dans Rochefoucauld qu'on va trouver ces... Il y a que dans certaines images du Rochefoucauld Grail qu'on va trouver ces constructions géométriques ou ces histoires à double lecture. Voilà. Mais revenons à notre... Euh, euh, à notre page à nous, celle qui nous intéresse. Donc c'est bien ce tableau, hein, c'est bien cette enluminure qu'on a qu'on attaqué. Et alors là où je suis très déçu, c'est la traduction. Euh, on nous dit en anglais, euh, une dame, la fausse Geneviève, euh, qui est une demoiselle messager, et qui a jeté son voile par terre, est accompagnée par un vieux chevalier. Donc elle, c'est la fausse Geneviève, lui c'est le chevalier Berthet, Berthollet pardon, euh, qui amène dans une boîte, c'est la fameuse boîte, une lettre au roi Arthur et à la reine Geneviève. Mais c'est pas ça qui est écrit. Je me suis fait le texte en vieux français. Je peux vous dire que ce n'est pas que du plaisir. Oh, comment c'est dur, et... dur à lire dans le texte. C'est ça qui est écrit en vieux français. Je vous l'ai mis là. Un peu mieux. En vieux français, c'est chi apporte une demoiselle et un chevalier, lettre au roi Arthur de grande merveille. Merveille. Un peu mieux phrasé pour nous les Français, qui apporte... Donc c'est le paragraphe ou la section qui apporte une demoiselle et un chevalier, lettre au roi Arthur de grande merveille de grandes merveilles, il, il, il nous l'explique pas ça, les gars de, les gars du Lancelot Project, ils sont pas câblés là-dessus, c'est avec Michael, on discutait, il me dit, ça veut dire quoi le texte, je dis, bah tu sais, c'est du vieux français, c'est compliqué à lire, je peux pas te faire une traduction en même temps que je lis, déjà, il faut que je le comprenne ce que je lis. ah bon, euh? je dis, mais on peut essayer, donc on prend la première page, il dit, regarde, et il me dit, c'est ça, elle est là, la lettre qui te ramène des grandes merveilles, c'est la miniature en elle-même, ah, j'aime mon Michael quand il me parle comme ça, mon Dieu. Mais oui, c'est ça, c'est un, un clin d'œil. C'est dire la grande merveille et la lettre que je vous apporte, elle est là. Mais ça n'a même pas été traduit correctement par je suis déçu, je suis déçu. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez Allez, conclusion générale. Et puis je vous laisse reprendre une vie normale et réfléchir à tout ça. Donc, cette miniature, en tout cas celle-là qu'on a étudiée, quand je pense que c'était une autre que je voulais vous montrer initialement, mais il y a eu tellement de choses qui sont arrivées dans ces dix derniers jours. Elle propose trois niveaux de lecture. On est en plein dans de la cryptologie, dans le langage des oiseaux. Mais là où je pensais qu'il y avait deux niveaux de lecture, en fait, il y en a trois. Et à mon avis, il y en a un quatrième qu'on est en train de découvrir avec Michael, là, de, depuis hier. Le premier niveau, c'est « Je vous montre cette image », comme on a dû la montrer via les sites web, le Guardian et autres, quand ça a été mis en vente, le Rochefoucauld Grail. Et vous avez des milliers, des dizaines, des centaines, des millions de personnes qui ont vu cette image et qui n'y ont vu qu'une image d'une un, enluminure du XIIIe siècle, pas très, pas très intéressante. Et puis c'est joli, c'est coloré. Et puis voilà, allez, 3 secondes 30 d'attention, rien remarqué, next. Puis vous avez les tarés comme moi et Michael qui voit... <laughs> Michael, il me dit en fait toute cette histoire, c'est une histoire de paradolie et de macro et de de macareux. Je vais dis oui, en fait, c'est l'histoire du macareux parce qu'il y a un mec qui s'appelle Olivier et dans ce tableau du, du 14e siècle, il voit un macareux, un oiseau, et il dit c'est pas normal. Et puis il gratte, il gratte le vernis, c'est le cas de le dire. Puis il gratte les feuilles d'or, puis il gratte, puis il trouve cette histoire de voyage incroyable. Et puis derrière, t'as Michael, il leur gratte une couche après que Gazbo nous ait donné des indices de construction géométrique, et Michael il me craque tout le truc en disant c'est exactement au Kyland. C'est le troisième niveau de lecture. Un, c'est juste absolument un tour de force d'avoir planqué les deux niveaux de lecture à l'intérieur de l'image. C'est juste génial. Et encore, on dis, on n'a pas fini, il hein, y en a d'autres. Et, euh, et deux, ben, ça montre la technicité de l'artiste à l'œuvre ou des artistes à l'œuvre. Euh, ça montre la rêve volonté de cacher quelque chose et de coder un message. Et puis ça ouvre plein de voies sur la suite. Parce que maintenant, on a des, on, on a des clés, pour, comme je vous l'ai dit, pour aller chercher les, les autres tableaux et aller les, fa les faire parler. On va les faire parler. Donc c'est ça que je dis que le Graal de Rochefoucauld, ce, cette partie, enfin en tout cas le Graal de Rochefoucauld, pas les autres manuscrits, mais celui-là, il, il est pour moi relié à 100% avec Oak J'en doutais encore. L'histoire au fond de la baie de Maon, la, la tache noire, ça avait à peu près la forme. Ok, c'est à peu près la forme, Olivier. Et puis les mains, elles donnent des directions, mais. Le plus grand sceptique, c'est mon père qui ne veut pas croire un mot de ce que je fais et qui dit que c'est des conneries. Bon, là quand même, là il y, y, y a un vrai problème, c'est qu'on va reproduire euh, la croix de Nolan. Bon. Alors, j'ai des gens sur ma chaîne américaine. Alors, vous savez, c'est ce que j'ai écrit aujourd'hui. J'ai pu un petit coup de gueulante après un... quelqu'un qui m'a écrit un commentaire, des commentaires. Vous en recevez... Enfin, j'en du genre euh, vous êtes pas loin, mais pensez à ça et vous verrez, vous allez trouver la solution. Puis t'as envie de lui dire, mais toi, tu sais quelque chose, toi Peux des, me des... alors j'en ai en ce moment. C'est euh, euh, tout ceci, c'est les francs-maçons. Euh, euh, ça vient des francs-maçons et ça peut être que les francs-maçons. quand on lui répond, ouais, mais Roche grelle il date de 1320 et la franc-maçonnerie elle n'existait pas en 1320, donc c'est pas possible. Et, et, et alors, j'ai beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens aux États-Unis en Angleterre qui pensent que Sir Francis Bacon est derrière toute l'histoire, tout de A à Z et que c'est lui qui a créé la structure sur l'île. Euh... Un tel point que euh, j'ai beau le confronter en lui disant ⁇ Mais Francis Bacon, il est né en 1530 et le Foucault-Grel, il est de 1320 ⁇ qu'est-ce que tu veux qu'il ait écrit le Alors ils ont quand même réussi à m'écrire, noir sur blanc, que non, non, euh, euh, ils ont falsifié la bibliothèque de Rochefoucauld, ils y ont inséré... Vers les années 1530, ils ont inséré le Rochefoucauld Grail en faisant croire qu'il était de 1320. Non, 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 non. Là, euh, Comme me dit Michael, euh, combien de temps elle a travaillé dessus, Alison Stone Je fais ben, toute sa vie, 50 ans. Elle me dit, tu crois quoi Un mec qui a étudié euh, au Caïlande pendant 10 minutes ou euh, une fille qui a travaillé pendant 50 ans de sa vie et dédié toute sa vie à étudier d'où venait ce manuscrit Parce que les prochaines vidéos, vous allez voir qu'elle a des choses à nous raconter sans nous les dire, Alison Stone. Elle a plein d'informations qui, pour elle, étaient anodines et qui, pour nous, sont fondamentales. On y reviendra. Donc, pour rappel... Que ça soit clair une fois pour toutes. Le Rochefoucauld c'est 1320. 1320, c'est avant Christophe Colomb. Et ça, ça pose un gros problème. Bon, on sait qu'il n'a pas vraiment découvert l'Amérique, mais là, on en est sûr. là. Ils y étaient avant. C'est avant la naissance de Francis Bacon. Donc, qui aurait écrit Shakespeare. Qui aurait inventé le caractère de Shakespeare qui n'aurait jamais existé. C'est faut lire Bacon, hein, c'est incroyable la vie de ce mec. C'est le Elon Musk de, de, de l'époque. Hein. Et Léonard de Vinci non plus. Léonard de Vinci, c'est 1480 en gros. Donc c'est 100 ans avant Vinci. Donc tout ça existait avant ces grands personnages. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On va continuer, euh, notamment sur cette image-là, mais <laughs> sur les autres maintenant, puisqu'on va y revenir sur certaines que je vous ai présentées. Euh, J'ai commencé à retravailler les modèles. Il y a des choses intéressantes qui en sortent. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout. J'espère que c'était intéressant. Pour moi, c'est une découverte fondamentale dans notre histoire. Elle est aussi importante que le décodage de la carte de Zina. Elle confirme la carte de Zina, le positionnement, les distances. Euh, pff, moi, je suis, je suis sur un nuage parce que la carte de Zina, euh, j'ai entendu depuis 4 ans que c'était des conneries et qu'on était des charlatans et que tout ça n'avait aucun sens et que elle datait pas de 1347. Je m'en fous de quand elle date, je m'en fous de qui l'a écrit. Ce que je vois, c'est ce qu'elle livre comme message. Et le Rochefoucauld, il n'a pas été falsifié. Ça, c'est une certitude. Donc, ce qui est à l'intérieur, c'est là pour être utilisé à nous de travailler. Bonne soirée. À bientôt et merci.